Bonjour à tous et bienvenue dans Project Talk de NetTV Channels. Aujourd'hui, je reçois Charlotte Clémence, Sales Manager France de Talkwalker. Bonjour Charlotte. Bonjour Anthony. Alors Charlotte, avant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'outil Talkwalker? Oui, bien entendu. Donc, Talkwalker est un outil de veille et d'analyse de la social data. Donc aujourd'hui, on est positionné sur la social data intelligence. Ça, c'est notre positionnement aujourd'hui sur le marché. Donc Talkwalker en fait édite une plateforme où aujourd'hui on détermine qu'on a donc trois expertises. Notre première expertise c'est donc l'écoute du web. Donc aujourd'hui on scanne et on aspire 150 millions de sources web en temps réel dans 247 pays et en 187 langues. Quand on parle du web chez Talkwalker, ça va vraiment être les réseaux sociaux, bien entendu, mais aussi les blogs, les forums et les sites d'actualité. Qui amène notre deuxième expertise, qui est l'analyse. Donc aujourd'hui, on a développé la plateforme Talkwalker où on a intégré des indicateurs d'analyse, mais aussi tout un système de filtres, ce qui nous permet d'obtenir des visualisations graphiques, des tableaux, des verbatims en fonction donc, de nos besoins. Et enfin, la troisième expertise, c'est de récupérer ces analyses. Donc on a intégré un éditeur de rapports et d'alertes directement dans la plateforme, ce qui vous permet d'éditer des alertes en HTML, en Word, en PowerPoint, en PDF, en fonction de vos besoins et les adresser directement à une liste de destinataires. Donc, Quel est votre positionnement aujourd'hui sur le marché? alors, sur le marché français, parce que c'est mon marché, on est challenger. C'est aujourd'hui, je pense qu'on a une place de plus en plus importante, dans le sens où on est positionné comme une plateforme robuste, solide, flexible. On a des partenaires de choix comme Twitter, parce qu'on est official partner Twitter, mais aussi on a un partenariat avec Hootsuite ou avec LexisNexis, avec Clipfolio. Donc aujourd'hui, on a un écosystème puissant. Donc c'est vrai qu'on est plutôt challenger, ce qui fait que dans notre portefeuille de clients, on peut avoir des institutions publiques comme des ministères ou des mairies, mais aussi des entreprises du CAC 40, mais aussi des PME, des agences et des petites entreprises, des associations. Donc vraiment, on a une variété de clients assez importante. D'accord. Est-ce qu'il y a des évolutions à venir donc pour l'outil Talkwalker? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, bien sûr. En fait, on a la chance d'avoir 35 développeurs qui travaillent chez Talkwalker au quotidien. Donc, ce qui fait que la plateforme évolue tout le temps. Tous les 3 mois, on propose des nouvelles fonctionnalités et notre objectif, c'est toujours de rajouter des nouvelles fonctionnalités en fonction des besoins de nos clients actuels et en fonction de ce qu'on peut prévoir comme besoin dans le futur. Eh bien, merci beaucoup, Charlotte, d'être venue au micro de NetTV Channels. Merci à vous. Merci à vous, ça a été un plaisir. Et quant à nous, bien, on se retrouve pour une prochaine édition de Project Talk le mois prochain sur NetTV Channels. À bientôt.